19,2 mètres carrés pour un poids de 500 kilos. Ce samedi matin, place du Martouret au Puy, les chocolatiers pâtissiers de Haute-Loire ont confectionné une tarte au chocolat pas comme les autres, puisqu'elle devrait être validée comme la plus grande tarte au chocolat du monde. Il y a plus de 100 litres de crème, il y a plus de 60 kilos de chocolat, 20 kilos de farine de lentilles, 60 kilos de purée de framboise. Donc les tartes, elles sont assemblées, après elles seront collées avec du chocolat justement pour qu'on fasse la plus grande tarte, qu'elle soit entièrement associée. Cette animation est proposée dans le cadre de la semaine du goût. Chaque pâtissier avait la même recette, le même procédé. Les plaques sont ensuite assemblées pour former une tarte géante. La veille de l'assemblage, nous avons suivi Didier Rix, pâtissier chocolatier au Puy, lors de la fabrication d'une partie de la tarte au chocolat. Chaque pâtissier prépare donc un biscuit chocolat avec une confiture de framboise, une ganache mousseuse à chocolat noir, un crumble à la lentille verte du puits, décoré avec des framboises qui sont des perles rouges. Une fois l'assemblage terminé, c'est l'heure maintenant de mesurer la tarte. 19,2 mètres carrés, c'est bon ? Bon, et ben on peut les applaudir, hein. Vraiment bravo ! Pour l'instant, il n'y a jamais rien qui a été fait avec du chocolat. Il y a eu une grosse tarte, mais c'était à base de prunes. Il n'y a jamais rien qui a été fait avec du chocolat et la lentille et framboise. 10 euros, les 4 parts de tarte, les gourmands étaient au rendez-vous. Les bénéfices de l'opération sont reversés à l'association Les Nez Rouges. On est là pour distraire et divertir les personnes hospitalisées. Donc ça peut être un service de pédiatrie à Émile Roux, un service de psychiatrie enfantine, au CAMS bientôt j'espère, et aussi toutes les personnes qui sont en dialyse ou en gériatrie. Et on intervient aussi pour des enfants malades à domicile. Après l'envoi des différentes preuves, le record de la plus grande tarte au monde devrait être validé à Londres, là où sont basés les juges du Guinness des records.